Fait des avis à Zaroko, il fallait maintenant prier pour elle, boucler toute ta fécondité, fermer toute ta vie. Et toi, tu avais cela 5 hectares de quoi? Cacao, tu produis que combien? 5 sacs. Un sac par hectare. Le gars, il a pris la plantation, il a fait réussir avec ça. Mais c'est public. L'homme a droit à la vie. Et les sorciers sont des délinquants. Ils vont bien baisser. Hein. C'est dans le champ du monsieur là qui va faire baisser public. Heureusement qu'il a commencé à se répandre, gloire à Dieu. Il avait programmé des gens. Ils vont déprogrammer cette personne. C'est le combat que nous menons là, dans cette région. Amen. Parce que l'homme a droit à la vie. Et c'est ça, chacun homme de Dieu a sa grâce. Moi, Dieu m'a fabriqué à cause des sorciers. Je suis fabriqué à cause des sorciers. J'ai fait ce travail avec beaucoup de passion, pas peur. Ça me passionne. Parce que je sais ce qu'ils m'ont fait. La sorcellerie a dissimé ma famille. Et moi, je ne laisserai pas une famille détruite par les sorciers. Amen. Non. Quand j'imagine qu'ils sont dangereux. Et que c'est
ce sujet, on ne doit pas jouer avec. Je ne fais que chaque jour communiquer là-dessus. Vous me voyez la télé, ce n'est pas pour le prophète pour être malin. Je suis en train d'interpeller chacun pour dire qu'il y a un problème au niveau de l'Afrique plus grave que celui de Ebola, la sorcellerie. Oui. C'est depuis qu'on a commencé à communiquer là-dessus, les gens ont commencé à prendre le sujet au sérieux. Sous les gens banalisaient la chose. Mais c'est une réalité, chaque personne vit ça dans une famille, nous vivons ça un peu partout. Même il y a des gens qui ont été incarcérés pour faire des sorcelleries dans les prisons. Là. Il y a des gens qui ont été mis à cause des sorcelleries. Et le sujet n'intéresse personne. Et d'autres, mais ont peur, si on parle des sorciers, ils vont nous tuer. Moi, je parle d'eux. Je les provoque. Je mets sur leur territoire, je les désarme. Ils ne peuvent rien. Quand tu viens chez moi ici, chez ton anus, là, tu prends, vous pouvez prendre l'église, tu mets dans ton anus. C'est pas partout, mais. Amen. Il est là? Il est partout. Viens, monsieur. Monsieur Choupo, juste-toi. Tu vas vendre ton nez en sorcellerie pour avoir le pouvoir de chat. Tu te vends pour avoir l'argent. Il a payé sur ton nez. Ah, tu as eu. Non, je ne mourrai pas. Ça va? Tu vas changer. Hein? Tu as mangé beaucoup, hein? C'est fini, ça? Tu ne vas plus manger. Il n'est plus à faire. Il faut laisser. C'est la fête où on fait viande braisée. Moi, je sais que je fais la fête, le mois des fêtes. Et si je suis venu, monsieur, je suis venu. Tu n'es pas pardon, tu oublies. Tu es en train de. C'est moi, on te force pour m'abandonner. Tu n'es pas vu sortir, laissez viande. C'est qui est fait sur toi? Si tu as senti odeur de chair humaine, tu vas avoir cancer du cerveau. Hein? Lui, il voit ça en comédie. Hein? Demande au petit. C'est un petit. Tu vois ça en comédie. Tu veux ça. Tu connais ça dans le cancer. Cancer du cerveau, là. Je dois avoir. Matin, je t'ai vu bizarre, non? Bizarre, sale, partout. Nat, habillé sale. Tu as pouvoir aller dans l'argent manger. C'est cher humain qui t'intéresse. J'ai gâté mon fils. Je l'ai mis dans mon anus. Hein? J'ai dit, mais comment tu peux vous manger? Il dit, je sors, je mange. Il a donné combien? Il a dit, tiens, merci toi. Il n'est pas allé prendre Belay. Il Je n'ai pas dit, c'est transport. Moi, je t'ai dit, ton transport. Il dit, c'est pour manger. Je n'ai pas dit, c'est transport. Tes enfants vont venir prendre ton transport. Ça, c'est interdit, Belay. D'accord. Oui. Anti-tabac. D'accord. Vous mangez pour être rassasié. J'ai compris. Prenez savon, lavez tes habits. Je demande à vous en même de laver tes habits. Ça fait quoi? Allez, vous n'avez pas dit faire compassion des âmes. Vous êtes dans le ministère de compassion des âmes. Arrivez-moi. Oui, ferme ta bouche. Je vais détendre par là. Qui va là-dedans là? Toi, tu dis ceux qui sont pas du monde lavé. Ceux qui ont vu là. Ici même, c'est moi qui ai lavé ça. J'ai dit, est-ce que tes enfants peuvent laver? Non. Non, j'ai dit, ils vont laver ça demain. C'est compassion des âmes. Amen. Amen. Oui, c'est pas des âmes. Amen. Amen. On fait stage de compassion des âmes.
Vous allez laver la vie des sorciers. Vous aimez les âmes, non? Nous devons manifester l'amour, c'est important. Ce ne sont pas nos ennemis. Amen. Amen. Ce soir, un problème va te libérer à lui. Là. Nous sommes en train de réfléchir. Là, il te connaît, toi. Tu vas vouloir l'essayer un peu. Nous, je réfléchis. Tu le choisis la plus. D'abord, il a chassé le démon. Il y a un démon en toi. Hein? Il va partir. S'il est parti, mais lui, je t'assure. Si tu reprends, même odeur. Il y a une dame s'habillée sur le YouTube. Elle est dans la boulette. Grosse comme ça. On finit la délivrer. Un mois après, elle prend un kéké. Ou mon vrai braise. Vient de chez lui, elle passe à Kiki, que j'ai écouté. Oui, mamie, viens. Viens prendre trois morceaux. C'est fini. Elle dit non, je vais à Kiki. Je dis, si tu as Kiki, et puis tu passes au vent, viens. Pourquoi t'appeler les choses gentilles? On va en vient. Qu'est-ce qu'il accompagne vient? C'est pas Kiki. Il ne peut que t'aider. Mange. Elle a mangé, a grossi. Grossi, on est Michelin. On a des pompes punaises encore. J'ai même dit, mamie, si tu retournes, tu vas t'enfler. Elle a compris. Vous pensez qu'on joue à ça? Je dis, monsieur, je ne joue pas à ce qu'ils ont dit de dire. Toi-même, tu sais ce qu'il y a en moi, tu connais. Je suis un grand sorcier de Hérégon. Et si on n'entend pas, non, par, si on ne tue pas les gens, mais c'est que la vie de ce Dieu nous aura semé, nous moissonnera. On t'a pardonné. Tu as mis dans la nuit son habit quand Niba s'est sorti. Oh, toi, tu peux cacher quelqu'un dans la nuit. Il était pour sorcier. C'est pour sorcier. Moi, je t'aime, nous t'aimons tous ici. Je t'aime bien. Tu es un être humain créé à l'image de Dieu. Mais le démon, l'incarné, le démon, c'est mon prophète. Non, on ne pourra pas t'abandonner. Et c'est là, si tu veux, essaye. C'est toi qui as mangé ça. Tu as essayé deux fois, non? Ça n'a pas marché. La troisième fois, d'ailleurs même là, ce que je vais faire sur toi, si tu as essayé ce cancer du cerveau, le cerveau là va sortir dans tes oreilles. Moi, je suis au Bengo. Vous détruire, c'est la minute. Je vous cherche même. Vous détruire. Tiens. Si tu devais prendre l'argent, la salle va sortir de lui. Et tiens. Il faut laisser ça. Ils vont laver la vie. Compassion des âmes. Amen. Et voyez les brigades à 10 sorciers. Pas sorcier. Sorcier qui met d'anus en face. Vous allez laver sur la vie. Vous lavez. Ouais, le corps peut pas manger dedans. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Si les gens voyaient avant. Hein. Grand délinquant. Monsieur, allez vous asseoir. Nous t'aimons, allez. Tu vas parler à ça. Malgré que tu as dit aux enfants, tu les libères, ils sont séquestrés. J'ai appris ça, mais c'est pas bon. Le papa dit vous libère. Vous l'avez envoyé ici, c'est pas pour les séquestrer. Après, j'aime même pas ça d'ailleurs. Il a besoin quand même. Mais il y a toujours les aveugles qui sont choquants. Tout à l'heure, je vais recevoir. Mets-toi en genoux. Et puis, le soir à 20h, on a encore notre programme de guérison et de miracles. Puissance de Jésus. Je délivre ton âme dans le nom de Jésus. Moi, quand vous venez me voir, ce mois-ci, là, c'est pour amener les gens en Bretagne. J'ai trop de visas qui chôment là. Il y a trop de visas. Le consul, les gens refusent. Pourquoi? Venez prendre visa.
vous êtes délivrés au nom de Jésus. Amen. Dieu. La puissance de Jésus vous délivre. La main de Jésus. Allez vous asseoir. Pour appeler ce qui est derrière, viens. Dans mon équipe, là, il y a chacun va avoir des dons. Je ne prie pas, je vous regarde. Moi, je suis pas un prieur, je communique les choses. Quand le prophète dit, bah, c'est ça, vous commencez à faire. Mais moi, là, je ne suis pas en train de prier pour la voyance. Parce que vous voyez les choses, là, vous avez cru prier. Il y a des choses que je vois là. Si toi tu vois ça, t'arrêtes à devenir fou. Comment je suis habitué à ça? Ils viennent. Ils sont pleins, j'en ai déjeuné. Moi, je fais ma petite prière, je mets un visite. Je les laisse passer. Il y a trop de choses dans la vie. J'ai dit aux gens de Satan et Dieu, qu'ils copient son camarade. Lui, il a été Dieu, la vie. L'onction de visibilité, là, ça a été Dieu, la vie. Ouf, vous voyez, quand vous voyez ensemble les visibilités, vous voyez, là c'est magie. Mais je dégage l'onction. Quand tu vas t'arrêter près du feu, 5 minutes après ton corps va marcher. Quand il y a l'onction, 5 minutes, 2 minutes, tu vas commencer. Je suis en train de dégager. Vous savez, nous sommes sous la haute protection du Saint-Esprit. Donc, bas la terre. Amen. Il y a des choses qui ne peuvent pas nous arriver. Bâche la même, c'est qui est en train de prêcher. Bâche la, c'est ça. Quand Dieu dit de dominer, quand il dit c'est les démons seulement, c'est la nature. Dieu dit de créer, il dit domine sur toute chose. Puis je parlais au vieux, l'onction me servissait, il fallait dégager sinon quelqu'un. C'est pas que c'est une charge. Non, moi je décharge. Je prie que tu sois une femme forte. Que tu sois une femme puissante. Que Dieu se révèle à toi. C'est merveilleux de voir des choses spirituelles. Plus Dieu se révèle à toi, par toi comme ça. C'est tellement intéressant de voir des anges. C'est intéressant. Faites cette expérience avec Dieu. Vous allez voir. Le temps, vous ne sentez pas le temps. Non. Je pose un ange, il est 5h30 à ma montre. Quand on finit, il est 18h. Je ne peux pas sentir le temps passer. Comment c'est intéressant? Le monde, l'esprit, le temps n'existe pas. Les gens vous enseignent la démologie, mais on n'enseigne pas l'angéologie. En tout cas, ce n'est pas utile. En tout cas, c'est bon de chasser les démons. Donc, on enseigne la démologie. Je suis en train de s'aimer en elle une parole. Faites d'une femme forte. Ce qui est déclaré sur toi, ça va s'accomplir. On dit quelqu'un a cancer, tu vas guérir ça. On dit quelqu'un a sida, tu vas guérir ça. C'est parole de prophète qui t'a dit. Parole de prophète. Pas parce que tu veux, parce que Dieu aimerait t'élever et te donner cette grâce. Dieu te bénit. Paul a dit à Timothée, ne néglige pas le don qui a été donné par prophétie. On peut donner des dons par prophétie.
La parole est une semence. Dis à quelqu'un, tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. Depuis 7, vous savez pas, le chiffre 6 et 7. Souvent quand je regarde un peu votre niveau spirituel, là, les choses qu'il n'y a pas, je ne peux pas vous enseigner, je n'allais pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Vous êtes au stade souvent de bébé, soit je suis allé doucement avec vous. Amen. Il y a des choses spirituelles que vous maîtrisez. Quand quelqu'un commence à être contre toi, Dieu va commencer à le faire tomber. Amen. C'est pour ça que attachez-vous à la spiritualité. Si tu veux devenir grand, il faut être un homme spirituel. Dieu ne fait pas de nous des chrétiens. Il fait de nous des hommes spirituels, des esprits. C'est pour ça qu'il faut voir comme Dieu voit. Amen. Amen. La foi, la Bible dit qu'elle est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on est, une démonstration de ce qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Ne soyez pas comme les Thomas, cherchez à voir avant de quoi. Dieu a fait les choses comme si les choses ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Amen. Comment il s'appelle en avant Abraham? Abraham. Après ça, Dieu a dit Abraham. Qu'est-ce qui est rentré dans le nom? Abraham. Il y a quelle lettre? Lettre. H. Ah! La lettre H. En esprit, en hébreu, Arush. Rouge, qui veut dire esprit en hébreu. Ça veut dire Dieu a mis son esprit en Abraham. Amen. Qui est symbole de vie. Dieu te donne son esprit. Amen. Quand Dieu, Jésus dit, je vous donne mon esprit, une puissance, et vous serez mes témoins. Est-ce que vous comprenez l'aspect témoin? C'est-à-dire là où je suis là, je suis témoin de Jésus. Je disais ce matin à des gens dans mon salon, je dis, mais est-ce que moi, les gens, vous savez, mes voisins, ils savent que Jésus est mort et il est ressuscité. Qui savent ça? C'est moi qui ai venu le dire, il est mort à Nazareth. Qu'il a été crucifié par Ponce Pilate. Il n'a pas vu le film de Jésus à la télé. J'ai ouvert ma bouche, vous dites, Jean 3, verset 16, il connaît. Dieu a aimé le monde, va te terminer le verset. Mais moi, on me frappe la porte matin. Prophète, viens prier pour moi. Parce qu'elle sait que ma vie, quand elle me voit passer ici, je vois même chose que. Toi, tu vas faire marcher sur le voisin. Tu vas croire ton Jésus. Le Arush, Arush, Dieu a mis ça en moi. Une fois que tu reçois là, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de vie. Là où tu es là. Tu impactes ton entourage. Quand tu regardes, on sait qu'il y a quelque chose en toi. C'est ce que Dieu a mis à l'aide en Abraham. Il est mort, mais on continue de parler de lui. Tu dois marquer ta génération. Amen. Tu dois quelque part ouvrir la Bible. Jean 3, 16, verset. Jean 3, verset 16. Dieu a aimé le monde. Je me suis dit, bon, tu sais. Il y a des gens, ils ont fini, ils sont les appels au nom de Jéhovah. Ils ont fini à distribuer livres aux gens. Tu dois être un témoignage. C'est la prière. Vous devez adresser ça à Jésus. Vous êtes le cinquième évangile. Amen. Amen. Tu vas aller prendre le micro. Seigneur Jésus, vous êtes. Tu transpires. Tu sens que chaque voix qui rentre. Seigneur Jésus, vous êtes. Vous êtes au terminus des bus, tu transpires, odeur à la maison, comme vous dites, les gens veulent voir Dieu à l'œuvre. L'apôtre Paul dit, mes paroles ne se reposaient pas sur les discours, mais dans une démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Demandez l'onction à Dieu, vous allez voir. Amen. Amen. Vous pouvez tout avec l'onction. Vous pouvez tout. Jésus dit, vous recevez une puissance et vous serez maintenant.
qu'on reçoit l'onction sur quoi être témoin de Jésus. Je ne vais pas vous aller voir Banji. Amen. Témoin de Jésus. Il faut être témoin. Vous savez, j'avais préparé mon message, le message la dernière fois. Mais Dieu, ouais, ouais. Comment il a orienté les choses? J'ai prié, Seigneur, même on prêché mon message. C'est autre chose, j'ai prêché. Je vous ai exhorté. Je vous ai donné le message de Dieu. Je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Soyez fortifiés, je vous aime vous tous. Je vous aime vous tous. Je priais beaucoup pour ce ministère. Il est typique à l'Afrique. J'ai dit aux gens, moi, il y a des prêches. Vous voyez, il y a des médecins, on ne prêche pas en Europe. Il faut dire, dans une église, ne soyez plus homosexuels. Ils vont venir prêcher dans l'église. Moi, tu as me dit, vous voyez, qu'il est homosexuel. J'ai été prêché ça. J'ai trouvé en Europe où il ne faut pas prêcher sur l'homosexualité. C'est ce qui intéresse les gens. Ils prennent l'avion, ils vont. C'est sur les livres, prêcher. Je l'ai dit aux gens, qu'est-ce que vous allez? C'est héros, chercher là-bas, ou c'est l'évangile pour aller prêcher? J'ai des églises ici en Afrique. Si vous voulez prêcher là, il y a plein, il y a Douaville, Gogobro. Il y a des gens qui disent, Dieu t'a appelé à prêcher à Gogobro, il dit, tu vas dire, tu es vaincu. Si tu dis, Paris, wow, ça c'est la révélation de Dieu. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Soyez fortifiés. Tout à l'heure, j'aurai le cadeau de vous recevoir par la grâce de Dieu. Et à 20h d'ici 20h, il y aura, n'est-ce pas, un autre programme par la grâce de Dieu. Pas parce que je vous néglige, non. Je ne vous néglige pas. Dieu ne vous néglige pas. Dieu est en train de régler certaines choses. Amen. Dans le secret. Le secret. Même si le prophète n'a pas peut-être vu les choses. Donc, mais dit, moi-même, partout, je passe, même le prophète, il n'a rien vu. C'est quand même les maraboues à rien. C'est comme ça. Moi, je suis dans tout dans le noir. Partout, je passe au. Mais rien que voir très, ouais. Rien que moi. Dieu nous concerne après. Moi, je ne suis pas venu pour voir. Je suis venu t'apporter la solution. C'est pour vous aider. Entrez dans la grâce. Chaque homme de Dieu a sa grâce. Sous les problèmes de sorcellerie, ne cherchez pas qu'il n'y ait pas. C'est ici. Je suis une brigade anti-sorcier. Nous, on te dit le voici, et pour la France. On te dit le voici, hein, mais laisse-nous gérer le dossier. Amen. Amen. Dieu est en train de dire des dimensions dans lesquelles je rentre en 2015. Donc Dieu est en train de préparer certaines choses. Il est en train de m'équiper pour 2015. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je vais aller de gloire en gloire. Amen. Dieu. De bénédiction en bénédiction. Amen. Le Dieu à qui nous appartenons, c'est un puissant Dieu, c'est pas un petit Dieu. Le Dieu Yahweh, c'est un puissant Dieu. Si Jésus n'est pas puissant, moi, Crasso, je n'allais jamais le suivre. Jamais je me suis Jésus. Amen. Amen. Nous allons poser, vous savez, c'est dans ces temps-ci, les sorciers jouent avec notre argent. Est-ce que vous savez ça? C'est cette période-là. Le diable joue beaucoup avec notre argent. Vous allez voir que les gens, c'est la période des fêtes. Ils vont vous la fêter, tout ça. C'est là que le diable va prendre. Ton argent de 2015, là, c'est maintenant qu'il va commencer à gérer ça. Ils vont avoir des choses bizarres, bizarres, bizarres. Tu vas donner l'argent. Et puis le diable va commencer à détruire ça. Amen. Amen. Je n'ai pas l'habitude de le faire. Mais chacun d'entre nous va prendre quelque chose pour dire c'est une alliance que je tisse avec toi. Par rapport à 2015, mon argent là, ça doit rester. Amen. Ça doit rester. Ceci est aux gens, qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu te bénisse? Pour que Dieu sauve l'homme, il s'est donné lui-même. C'est pour ça que Jésus-Christ, son sang est une alliance devant Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Ceci est aux gens, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez accepté, je dis c'est vrai. Mais quelle action prophétique sur vos vies? Pour que ce sorcier vous laisse. Vous voyez, sorti qu'on n'est pas versé. Il connaît versé. Le son 37, il met plus ça que toi. Amen. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Chacun d'entre nous va prendre quelque chose, une offrande. Et va présenter ça à Dieu. Nous allons parler. Notre argent
l'argent de toute la famille, le sorcier ne va plus avoir accès à notre argent. Il ne va plus avoir accès à notre argent. Ça doit servir la gloire de Dieu. Vous savez que, je vous dis une chose, le diable travaille avec l'empreinte digitale. L'empreinte digitale, c'est ça que le sorcier va te dire, donne-moi 100 francs, seulement. Seulement, c'est ton empreinte qui est là-dessus là qui l'intéresse. Comme ça a touché, vous allez aller au commissariat dans les trucs comme ça, vous demandez l'empreinte digitale, vous mettez votre empreinte. À partir de ton empreinte, on peut faire sortir ton image. La police scientifique, ici on ne va pas ça trop, mais en Europe c'est un truc. Quand tu quelqu'un veut trouver le coupable, on cherche à voir les objets qu'il a touchés. Parce qu'il a une empreinte là-dessus. Dès qu'on touche, son image peut sortir. Et les sorciers connaissent ça. Et je vous ai dit que la sorcellerie, c'est une science. C'est une science. Elle aussi évolutive pendant nos siècles. Aujourd'hui, on a Bluetooth. Vous décrochez le téléphone même, on a. Qu'on appelle le téléphone. Car Bluetooth. Donc eux-mêmes ils ont Bluetooth là-bas. Amen. Chacun d'entre nous a parlé. Ton argent. Vous savez, l'argent c'est le pouvoir d'ailleurs, c'est le pouvoir. Le diable, il va commencer à agir dans ta vie, il va commencer à attaquer ton argent. C'est ce qu'il va attaquer pour te déstabiliser. Tu ne dois plus toucher à ton argent. Commence à parler. Au nom de Jésus. Chacun d'entre nous parle. Au nom de Dieu. Amen. Levez ton offrande. Voilà, au nom de Jésus. Levez ton offrande. Hello. Non, glacier. Nazalago
La gona da la wana kalunu da la gona. Ye ye du la kaza la wana kalunu da la gona. Ye la gona da la wana kalunu da la gona. Ye du la da la wana kalunu da la gona. Ye la gona da la wana kalunu. Jesus, I'm not alone.
keep.